même un bouquet, tu l'achètes, tu te mets dedans, tu vas prendre une nouvelle. Et tu le fais comme ça, tu peux permettre. Une nouvelle. Comment ? La vidéo, elle enregistre ça aussi. Donc là, du coup, assez chronique. Donc là, il faut faire très attention. Vous voyez, il y a un petit truc qui se dégage. Et vous verrez, faites attention quand je vais mettre l'acide. Sur le méthanol, on va avoir une petite fumée qui va se dégager. C'est dans la réaction de l'acide avec le méthanol. On ne voit pas la respiration. On ne voit pas la respiration. Et c'est soit, ça aspire tout. C'est l'intérêt de la route. Ouais. C'est l'intérêt de la route. C'est traité, je me dis franchement. Mais normalement, c'est traité. Mais le plus important, c'est qu'on respire. Du coup, je pense que c'est trop clair avant de tout rejeter parce que ça ne sert à rien sinon que la personne la respire. Donc, du coup, je vais mettre 10 minutes encore une fois. Vous voyez la fumée qui dégage? Et du coup, l'acide il est super dangereux, faut faire très attention. Donc, regardez la petite fumée qui va dégager. Ça va, pas super. Regardez la buée sur. Donc, il y a une petite réaction qui se passe. Les 30 minutes, donc l'intérêt de la pipette. Ouais. Donc là il est 11h20, on va laisser on va dire 20 minutes pour nous préparer la solution. On va mettre ça de côté. Donc la sporéthique, ça peut beaucoup le jeter. Donc j'ai une poubelle pour acide là. Par contre, j'ai pas censé l'acide à l'isoter là. Donc la poubelle, elle la met sous.